Hello mes sweeties, bienvenue sous une nouvelle vidéo test où nous allons tester la marque Rizzo Curls. J'espère que je le prononce bien. Donc je vous ai montré le shampoing hydratant de la marque. C'est des petits échantillons que j'ai reçus du magasin Curl Shop. Là, le Deep Conditioning qui va servir au fait de shampoing après shampoing. La crème définissante pour boucle. Et en dernier, nous aurons le gel Light Hold Gel. Donc gel à tenue légère à haute. Là, j'ai fait mon shampoing. Avec le shampoing justement hydratant de la marque, c'est pas mal, j'aime bien. Ça garde mes boucles et mes cheveux n'étaient pas secs. Donc, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est pas un effet non plus de ouf, mais je trouvais que le résultat était pas mal. Ça tient ses promesses, ça n'arrache pas les cheveux. De plus, là maintenant, je vais tester le Deep Conditioning que j'ai mis dans toute ma tête, bien évidemment. La racine aux pointes et que je vais laisser poser 30 minutes. Donc là, j'ai rincé. Mes boucles sont toujours là, donc je suis contente. Après, il faut savoir que je n'ai pas passé de peigne aussi dedans. Donc là, je vais tester le Curl Defining Cream. La Curl Defining Cream, quelque chose comme ça. Bon, c'est toujours une galère pour faire bien sortir le produit. Vous avez vu ce petit produit échantillon que j'ai dû mettre dans toute ma tête. Alors, l'odeur est pas mal, c'est enivrante, c'est pas mal, c'est atypique. Bon, après, voilà, j'ai déjà sorti de meilleures odeurs, mais ça va. Donc là, j'applique sur une portion de mes cheveux. Et on va voir si effectivement ça me fait plus de boucles, si ça m'enlève les frisoutis ou non. Donc après avoir appliqué sur une plus petite quantité, parce que j'étais un peu dans l'exagération de mettre dans le quart de ma tête. Ok, j'ai plus de boucles, plus définies, mais j'ai quand même encore des frisoutis. Hein. Voilà, je suis obligée malheureusement de passer par l'étape du gel, parce que c'est pas exactement ça. Donc on va faire le gel. Qui est un gel à forte et légère tenue. Donc, moi, la première fois que j'entends ça, forte à légère tenue. Bref, moi, c'est soit fort, soit léger. Mais bon, voilà, on va voir. L'odeur, ça va. Bien sûr, encore une fois, les égards du direct. J'oublie qu'il y a parfois des emballages en dessous du bouchon. Et bien sûr, on va bien sentir l'odeur. J'aime bien parce que c'est à base de thym, de gel de lin et d'aloe vera. L'odeur est pas mal. L'odeur est pas mal. Et vous verrez que c'est un gel qui est assez léger. Effectivement, la texture est légère. La texture est légère. Donc, je reconnais le côté léger. Donc, la texture est légère, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça me rappelle beaucoup le gel de Camille Rose. Ou un peu le gel aussi de miel organique. Le tout premier à base de gingembre. Et là, maintenant, je vais l'appliquer en espérant perdre mais tout le reste des frisottis que j'avais. Quoi. Parce que c'est ça le but. On veut une faire une routine capillaire sans frisottis. C'est ça notre ennemi, les frisottis. Donc là, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai perdu des frisottis, c'est pas mal. J'en ai encore quand même, mais c'est pas mal. Je trouve que le résultat, il y a du potentiel. Voilà, on va dire le mot, il y a du potentiel. Parce que vous savez, moi je suis très stricte avec mes gels. J'aime quand vraiment mon gel me donne des cheveux à la perfection. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Puisqu'on sait que le gel, ça assèche, ça fait un effet crunchy. Donc, vraiment que le gel, déjà, de base, soit bien. Donc, pour être sûr que j'ai une bonne définition, je vais faire en fait mes finger curling. Pour moi, c'est la meilleure méthode pour avoir une définition au top de la maxence des boucles. Donc, on y go pendant toute la tête. Voici le résultat sur toute ma tête. Donc, c'est pas mal. Hein? Sur cheveux mouillés, c'est joli, c'est beau, c'est belle. On voit que j'ai des boucles un peu partout. Mes cheveux ont vraiment poussé. Je suis contente. Hein? Après, est-ce que ça va tenir sur cheveux secs? That's the question. On verra. Mais en tout cas, pour le moment, je suis contente. Je suis saucée quand même. Je suis saucée. J'aime bien. Il y a un petit peu quand même de frisottis à certains endroits là où c'est le plus crépi au niveau de mes cheveux. Mais bon, on verra quand même au séchage ce que ça donne. On se retrouve, mes sweeties, pour voir le résultat sur mes cheveux lâchés. Donc, en soi, regardez mes cheveux. Ils sont beaux. Il y a des boucles. C'est pas mal. Un petit peu légèrement terne, je dirais. Mais bon, ça fait quand même 3 jours que j'ai fait le shampoing, que j'ai fait le soin. Ouais, ça fait 3 jours. Je me fais le résultat au bout de 3 jours. Donc, je suis quand même contente. J'ai allongé légèrement mes boucles avec mon diffuseur, comme vous savez, avec mon sèche-cheveux, pour gagner de la longueur. Voilà, oui, vous voyez, ils ont bien poussé mes cheveux. Voilà. Donc, franchement, je suis mitigée parce que
Sans le gel, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je n'aurais pas eu des boucles aussi définies. Déjà de 1. Donc, c'est-à-dire que la crème, la Curl Defining Cream, elle ne me suffira pas du tout. Donc, ce n'est vraiment pas une gamme que je vais recommander aux filles aux cheveux crépus et certaines aux cheveux frisés. Ce sera véritablement plus une gamme, comme ils le disent et comme ils le montrent, pour les cheveux ondulés, bouclés et encore, comme j'ai dit, certaines boucles et certaines frises. Hein. Donc, voilà, c'est ambivalent. Pourtant, c'est un light hard gel. Donc, du coup, c'est censé être un gel avec qui est light. Et effectivement, la texture, c'est light, mais à forte tenue. Bon, je confirme quand même, mes boucles, elles tiennent. Mais je sais pas, au niveau de mes racines, je n'aime pas trop l'effet que le gel fait. Parce qu'il faut que je trouve une autre manière de l'appliquer, je sais pas. Parce que moi, je mets du gel depuis ma racine pour perdre en volume. Comme je vous ai dit, si vous voulez perdre du volume, il faut mettre depuis votre racine vos produits capillaires. Si vous voulez du volume, il faut éviter de mettre au niveau de vos racines. Il faut peut-être commencer à 2 cm après à mettre du produit. Comme ça, avec le diffuseur et votre peigne afro, vous gagnez en volume. Mais moi, je suis quelqu'un, regardez, j'ai déjà quand même suffisamment de volume. Moi, ça me va parfait comme ça, j'ai pas besoin de plus. Donc, voilà, moi, je mets du produit. La compo, ça va en soi, c'est pas trop, c'est pas dégueulasse, ça va. Ça va. On peut faire mieux, il y a mieux, mais c'est pas dégueulasse, j'aime bien. Alors moi, je trouve quand même que les prix sont élevés en France. Après, voilà, c'est une marque de base qui est américaine, qui est, je crois, fabriquée à Los Angeles. Et ce qui est bien quand même, c'est que leur gel a comme de l'aloe, gel de lin et du thym. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est ce qu'ils mettent en avant. On connaît, quand on va après dans le détail, parfois c'est très loin, c'est en bas, mais bon, voilà. Et la Curl Defining Cream Aloe Vera Coconut Oil Shea. Donc, du coup, de l'aloe vera, de l'huile de coco et du beurre de karité. Sans sulfate, sans silicone, sans parabène. Donc, en soi, la compo, elle est raisonnable. Mais par rapport à la tenue et à la légèreté des produits, je ne peux pas le conseiller aux cheveux frisés et crépus. Ça sera vraiment comme pour du ondulé et certains types de cheveux bouclés. Mais en soi, voilà quoi, le packaging, il est trop mignon. Moi, j'aime trop voir en fait leur logo. C'est trop chou. C'est trop chou. Et elles ont grave des gifs sur Insta que j'utilise à chaque fois. Donc, tout le temps, je m'étais dit, il faut que je teste cette marque, que je teste cette marque. Donc, je ne regrette pas de l'avoir testé. C'était des échantillons, en fait, qu'on m'avait envoyé, que le magasin, le Curl Shop m'avait envoyé. Et j'avais acheté, par contre, de moi-même le gel. Je ne regrette pas d'avoir testé, mais après, ce ne sera pas en tout cas mon coup de cœur et ce que je vais acheter régulièrement, quoi. Je vais toujours mettre en avant The Main Choice, Miel Organique, Uncle Funky Daughter, Kinky Curly, Les Secrets de Loli. Je vais toujours les mettre en avant par rapport à cette gamme. Je trouve que j'ai un meilleur rendu et c'est mieux en termes de qualité et de prix. Donc voilà, mais c'est quand même une bonne découverte, une très belle découverte quand même. J'ai quand même des belles boucles, je vais pas mentir. Hein. J'ai un beau résultat, ça fait déjà 3 jours, regardez mes cheveux, pas énormément de frisottis, même si oui, j'en ai, on en voit hein, quand même, de toute façon, c'est normal au fur et à mesure. Mais j'aime bien quoi, malgré le fait que j'ai allongé mes cheveux, ben, j'ai des boucles, donc je suis contente quand même. En tout cas, c'est tout pour moi pour ce test de Rizzo Curl. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me dire vos impressions sur cette marque. Si vous ne savez pas où le trouver, vous inquiétez pas, dans la légende de ma vidéo, je mets toujours les sites sur lesquels vous pouvez trouver justement les marques que je teste. Et vous avez aussi les ingrédients clés qui sont mis en avant pour ces marques. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Instagram My Sweet Frisette. Également sous notre page Facebook, puisque maintenant, oui, j'ai créé une page Facebook My Sweet Frisette également. Nous avons le TikTok, bien sûr, pour les petites vidéos marrantes, les petits challenges, coiffures ou autres. My Sweet Frisette. Et bien sûr, ma fameuse page YouTube qui a le détail de toutes mes vidéos. Là, on peut se faire plaisir, on peut s'enjailler sans oublier d'activer la petite cloche sur le côté. My Sweet Frisette. C'est tout pour moi, mes sweeties. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de là où vous vous situez. Et on se revoit pour une prochaine vidéo test. Bisous!